Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles X. Dans le précédent épisode, nous avions débloqué notre Skell, comme vous pouvez le voir actuellement sur l'écran. Et nous allons faire la mission de soutien avec Dog que nous avions initiée dans l'épisode précédent. Et c'est pas par là, c'est plus par là, peut-être. Au-dessus encore. C'est par où? On s'en rapproche. Ah là peut-être. Plus par là. Boum. Ah bah j'y suis. Très bien. Plein de petites bêtes. Mais il va falloir des scales pour nos 4. Elma, c'est normal, un tel attroupement d'indigènes? Non, pas vraiment. Peut-être que cette plante les attire. Pas très envie d'y aller sur cette plante. Je commence l'analyse. Et c'est fait. Nous avons les données. Non, mais on dirait bien que la mission n'est pas encore terminée. Est-ce que l'équipe de Dog... Ils font peut-être face à la même situation que nous. Même pas peur, potes vont flanquer Tatsu, y'a vilaine bébête. Tu pourrais nous aider, tu sais. Non. C'est peut-être un peu too much. D'y aller au Skell. Dégâts électriques. Patata, hop. Inflige les dégâts physiques ou boost les dégâts d'appendice. Ok. Oh, ok, j'ai la barre qui se vide là, hein. On est d'accord. Bon, il n'y a pas besoin d'utiliser. Pas besoin d'utiliser le Skell sur ça. Je pense. Hein. C'est un peu du too much, c'est du niveau 16. J'ai très envie de faire joujou avec mon truc, mais c'est quand même un peu exagéré. Et ça permet de voir le taux de carburant. Même si j'aurais pu garder la barre sur la droite. Okay. Pour avoir le pourcentage. Je pense qu'on verra bien sur le tard. Ah là il y a un gros truc par contre. Ouh là là. Bonjour, heureusement j'ai mon Skell. Désolé pour l'attente. Dog, je serais venu plus tôt si j'avais pu. On dirait qu'ils allaient avoir droit à du cacao et des chocolats. C'est ça. Il est un peu gros. Ah. Fermez les chargements. Hop. Faire ça, hop. Now you see me? Now you see more of me! Hop. Ils ont pris cher, non? Ok, c'est très bien. Les jours de la mission. Paf. Ok, et on va aller prendre ça. Le niveau 18. Ok. Merde, j'ai pas assez bien... Boum. J'ai l'impression que j'ai récupéré mon carburant. Est-ce que... Non, je peux pas faire ça. Mais même les auto-attaques... Hop. Même les auto-attaques, elles utilisent des capacités. Hein. Fait dégâts des terres, anti-résistance, handicap. Ok. Ta. C'est ce qu'il disait. Hein. Hop. En tout cas, ça c'est cool qu'on puisse passer de l'un à l'autre comme ça. Moi, je trouve ça assez intriguant. Enfin, assez intéressant plutôt. Hop. Même au niveau du gameplay. Par contre, j'imagine pas les monstres qu'on va devoir affronter à un moment. Si on a besoin de la force de 4 Skell pour les défoncer. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Hop. On manque de plus de dégâts avec les Skell. Hein. Logique en même temps. Hop, ok, on a pété l'appendice. Il n'y en a pas d'autre, très bien. Ça fait 1000 pétés. Hop. Ça dégage. Très bien. Putain. Allez-y. T'es toujours pas mort? Je pensais que c'est mort là. Hop. Ça, c'est fait. Voilà. Ces plantes semblent posséder des propriétés uniques. Sérieux. Bon, faut que j'aille soumettre mon rapport alors qu'on se retrouve après en ville. Partagez la récompense et je vous paierai un verre. Compris. Sois prudent. Bien sûr. Alors, à plus tard, au café. J'appellerai Lao aussi, comme ça il paiera aussi sa journée. A tout à l'heure. Hop, alors on doit aller, du coup, a priori, à la zone commerciale, au café, place des cafés. Et le Skell nous suit. Parfait. C'est donc comme ça qu'on l'aborde quoi finalement. Il va être là, en plein milieu de la rue. Coucou, je bloque la rue. Il est pas là le café? Non, il est là le café. Je fais la taille du café, je suis énorme. Ah mais ils sont là. Je suis immensément grand en fait. Ah, je fais la taille de Dog, cela dit. Ah... Un petit peu plus grand peut-être quand même. Ah, je suis sur un trottoir, lol. Tout à fait, on ne s'est pas ennuyé. Oui, je suis navré. Et si je vous offrais un bon thé pour me faire pardonner? Je connais un endroit où ils vendent des plantes de qualité qui ont poussé sur Mira. C'est original, ça va, vous êtes pardonné. Quoi? C'est tout? La prochaine fois, trouvez autre chose que du chocolat pour m'acheter. Je suis plus une gamine. Mais tout le monde aime le chocolat. Demandez votre part de récompense. Demandez où là-haut était-il passé. Tu es de la police ou quoi? Je t'ai aussi promis de me racheter, ok? On veut de la thune, des nouvelles d'analyse Dog. Non, pas encore. J'espère que tout va bien. Et moi donc. Pas vous inquiéter, peu importe, quoi qu'il arrive, Tatsu est là. Et Tatsu est plus que heureux des potes et autres pathétiques êtres qui sont dans besoin. Tu es une personne très charmante, Tatsu. Vous avez appris de l'art de la catégorie sabre, photon, poussière étoilée. Ok. Très bien. J'ai appris un truc, je sais pas ce que c'est. C'est un art. Si, c'est un art, mais... information, j'aimerais quand même voir... Juste dans les paramètres. Juste la jauge du carburant. Combien il y en a? Est-ce qu'il y a un sur Ok, 7650. Ok, ok. Et j'aimerais voir combien de temps ça prend pour se recharger. On va la garder juste un petit coup. 7650. Ouais, c'est toujours pas chargé. J'aimerais à l'allée des armes. Cela dit, j'appuie aller en scale. Ça va plus vite. Je peux y aller en TP aussi. Repère découvert, bazar nos ponts. C'est où ça? Salut. C'est là. Ah bah il y a le... Oui, c'est là. Ok, c'est pas ça que je voulais. On va retourner au quartier administratif. Non, c'est pas ça non plus. Là, il y a un nouveau truc. Il y a une nouvelle mission d'entente. C'est la nuit, super. C'est là la validée. Allez des armes. Elle est là. Mais si, j'y suis allé voir. En fait, je suis con. Je peux pas en acheter, c'est tout. Mais je peux pas en acheter pour mes potes, pour mes amis. Bah du coup, on va explorer Oblivia, pardon. Vous en pensez quoi? On va explorer Oblivia. Voilà. Ça paraît pas bien, ça. Si je vais là, avec mon Skell nouvellement acquis. Ah si, c'était l'assurance que je voulais. Ah, Yam, pas content. Ouais. J'ai pas mon Skell là. Where is mon Skell? En dessous. Ah, il est là. Oui, mais attendez. Programme, mission. Ah là, il y a des trucs en Oblivia. C'était quoi qu'il fallait que je fasse? Récupérer l'unité de données du site 313 Frontière-Neuve. C'est ça? C'est Oblivia? Ça fait une mission, ça. C'est où? C'est en bas. Quitte à me TP, je peux peut-être me re-TP. Désolé pour les TP. A priori, c'est au quartier administratif, non? C'était à l'allée des armes. Ah, c'est peut-être au hangar. Bah, j'aimerais souscrire à l'assurance, quoi. Parce qu'il y a une assurance qu'on souscrit de base. Et vu le prix du Skell, tu peux te dire, il y a peut-être peut-être moyen qu'il y ait une assurance, je sais pas. Il y a déjà la Pro Skell, ouais, maintenant que j'ai un permis, j'aimerais pouvoir en acheter un bientôt. Ouais, alors moi je l'ai pas acheté, on me l'a donné. Mais c'est sympa, hein. Ouais, 24 000 thunes, c'est beaucoup trop. Donc c'est pas là. Pas là non plus. Où est-ce que ça pourrait être? C'est bien sympa, hein, mais... Eleanor... Non, Eleonora... T'aurais pas une... un niveau en plus, se renseigner. Ah, ce ciel trouvé dans l'Uctilum. Machine qui a été retournée à 30 ans d'être examinée dans le hangar interdit au niveau inférieur. On ne sait pas encore pourquoi elle a été abandonnée à cet endroit, mais nous espérons qu'un examen minutieux pourra donner des indices sur l'objectif de l'ennemi. J'espère que nous aurons bientôt fini l'analyse. Ok. Un humain intéressant. Comment gagner des points de division nécessaires pour augmenter le niveau? J'ai entendu beaucoup de théories. Certains disent que c'est en tuant des indigènes et d'autres ennemis, ainsi que les tyrans, la version plus puissante des indigènes communs. D'autres disent que c'est en rassemblant des objets des collections, en ouvrant de certains containers extraterrestres, des reliquats, des épaves. D'autres encore pensent que c'est en découvrant de nouvelles zones, en lançant de sondes. Oh, et certains ne jugent que par gagner des points de R&D qui permettent de faire le panda de s'agrandir. Prospection du blade. Attends, ah aussi, mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi le mieux est d'accomplir des exploits. Je pense que c'est une bonne idée de faire un maximum des choses différentes, alors le choix est fait tomber. Super. Super, super. Culture de pone pour les nuls. Nouveaux ordres. Allez à la salle. Mission principale. Oui, bon, merci. Charge les gars qui se joindront à moi pour chasser le tyran. Testeur d'armes. Outtiffer. Ah, c'est peut-être ça. Outfitteur dans la zone industrielle. Test des outfitters. Ça, c'est peut-être justement un truc que je n'ai pas. Je les ai pas, les outfitters. Non, je les ai pas. Moyen qu'en fait ils sont genre là et ouais on va peut-être faire ça. Mission, on va faire l'exploration d'Oblivia. Les outfitters, on cherche les cobayes. C'est ouf. Zone industrielle. Ok, j'aimerais quand même déjà aller au hangar. Voir s'il n'y a pas là un terminal ou quoi pour acheter une assurance. J'ai pas l'impression que ça bouge. 7650 là. Bon, là, il n'y a que dalle. Peut-être aller dans les le mode d'emploi, juste histoire de voir pour les scales équipe mission sur ce gramme scale mission assurance scale. Voilà, plusieurs équipes effets au carburant pour scale en utilisant certains objets à perdre un appendice. Tu as un scale. Assurance Skell. Au hangar de la caserne BLADE. La caserne, ok. C'est donc dans la caserne. Tintin. Ah bah oui, il y a un hangar. On peut mettre des scales là en fait. C'est ça. Et bah oui, il est là. À quoi il me sert mon scale? Bah il est là. Bonjour. Où est le terminal maintenant? Au-dessus, là-haut. Ah, juste... Ah, c'est celui-là peut-être. Non, ce n'est pas un terminal, très bien. C'est peut-être juste ça. Hangar de la caserne, ben voilà. Assigner Skell à un agent du Blade. Ah, ben je peux l'assigner à quelqu'un d'autre. Ok. Renommé. Veuillez entrer un nom. Skell. Skell. symbole. Skell et... Skell et... Abel. Voilà. Ça vous va? Section 1. Alors on peut vraiment... Ah oui, on peut vraiment... ouais, on peut... Ok, bah alors du coup on va se mettre en orange. Parce que j'aime l'orange. Tout comme ça. Luminosité. Très bien. Après on va se mettre ça... En quoi? C'est quoi? J'essaie de voir ce que c'est. Ah c'est ça. Se mettre ça en noir. Voilà. C'est quoi là? Section 3. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah si, c'est les petites barres au milieu, c'est ça? Mettre ça en rouge. Voilà. Hop. Section 4, c'est quoi? Ah, c'est les petites barres là. On va mettre ça en noir. Hein. Je me suis trompé. Le viseur. La visière, on va mettre ça en, jaune. Bien lumineux. Hop, je peux mettre ça en rouge. Hein. Et les lumières. C'est où ça? Ah, c'est les lumières sur le côté là. En jaune. Hop. Armure complète. Ah oui d'accord, mais ça éteint tout en fait. Ah oui d'accord, ça met tout en orange. Ça aurait été plus simple. Ah, ça met en surbrillance ce que c'est. Ça, je mets en noir, j'ai dit. En rouge. Voilà. Ah, je peux pas mettre finition. Non. Faire le plein. Ok, il est... le plein de carburant effectué, il est au max. Ok. Changer l'équipement de ce Skell. Ah, c'est Skell. Ok, d'accord, c'est 7650 le max. Ok, ok, je peux virer donc. Information. Paramètres, pardon. Modifier les paramètres. Paramètres d'affichage, je peux virer. La jauge du carburant. Hop. Très bien. On peut donc changer ça maintenant. je peux aller voir dans la zone industrielle le gars. Qu'est-ce qu'il me... en bas. On va aller là. Hop. Je pense que c'est pas trop mal. Et j'ai toujours pas l'assurance. Donc honnêtement, je pense que ça y est automatiquement. Je sais pas. C'est quoi ça? Santé. Destination principale Sylvalum. Doit être accepté la nuit. Santé, niveau Rocky 19. Je suis jamais allé à Sylvalum. On pourrait la faire. Mais je suis jamais allé à Sylvalum. J'ai pas envie. On ira plus tard à Sylvalum. Ah, les mecs ils arrangent leur scale comme ça. Très bien. Alors orange, est-ce qu'il est plus classe qu'en blanc? Je sais pas. Plus assorti en tout cas, mais... on va peut-être... En blanc, c'est un côté classe quand même. Là, là je sais pas trop. Bon, c'est un premier, de toute façon... Après, j'aime bien l'orange, donc... C'est quand même incontrôlable comme ça, mais... Hangar de test. Ok, il y a plein de mecs là. C'est une mission d'entente là? Militarisation. Destination principale Sylvalum. Accepter la mission de base, on recherche des cobayes, le hangar des tests des outfitters ne doit pas être utilisé. Sylvalum. Eh bien écoutez, on découvrira ça dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci et à la prochaine justement pour découvrir Sylvalum. Voilà. Parce que pourquoi pas, utilisons-le. Alors, on n'a pas raison de ne pas y aller. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.